Sur les critères de divisibilité. J'espère que vous avez tous bien révisé. Hé, Ulrich, un nombre est obligatoirement divisible par 2 s'il se termine par quel chiffre ? 0. Exact ! Bonne réponse ! Bravo, madame ! Et c'est aussi le chiffre qui se retrouvera sur ta copie si tu continues de tricher. Odd, tu veux mon croissant ? Merci, j'ai le mien. De toute façon, j'ai pas faim. Moi non plus. Salut, les ringards. Ouh là, ça sent la déprime à planer par ici. Normal, tu viens d'arriver. Très drôle, Della Robbia. Mon Ulrich, est-ce que je peux faire quelque chose pour te sortir de cette mélancolie ? Ouais, déguerpir. Pas de problème. Ciao. Hé, le bloc, viens, je vais te faire une tête au carré. Tu fais des vannes aussi nazes que lui. Comment ça va, cousin? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Sacrée surprise, hein? Je suis fou de joie. Dis, t'as pas des affaires à chercher ou des papiers à remplir parce que j'ai du boulot? Si. Bah alors, Jérémy, c'est mal poli de raccrocher au nez. Tu crois pas? Einstein s'est programmé un clone en plus beau. Très drôle. Hey, dis donc, Einstein, tu me donnerais pas un coup de main pour mon exposé sur l'électrochimie? Excuse-moi, mais tu comptes m'appeler Einstein longtemps? Bah oui. Bon, alors pour mon exposé, hein? Bah écoute, t'as qu'à mettre que l'électrochimie est une science qui concerne les relations entre la chimie et l'électricité. Ensuite, tu ajoutes que l'électrochimie s'intéresse à des systèmes hétérogènes comportant aux deux extrémités des matériaux conducteurs électroniques. Et voilà. Et voilà, tu veux dire que je mets ça et terminé? Bah non, bien sûr que non. Il te faut des exemples. Je viens croiser Cici avec Jim. Il la conduisait à l'infirmerie. Elle s'est claqué les méninges en tentant une addition à 2 chiffres. Non, elle s'est électrocutée. Attention, je vais vous faire super contre-con. Eh oh, Jérémy, à quoi tu joues, là? Oh, Jérémy, réponds. C'est pas Jérémy, mais je reconnais ce rire. Ça, c'est Nicolas. Nicolas? T'es sûr de toi? Un rire aussi bête qu'il n'y en a pas 2 dans l'univers. Tu déçu. Vous m'avez tous les deux profondément déçu. Moi aussi, je suis déçu. Vous m'avez pris pour un imbécile. Sans la moindre vergogne, vous avez foulé aux pieds le pacte social qui différencie l'homme de l'animal qu'il y a en chacun de nous. Bref, c'est 4 heures de colle pour chacun. Quoi ? Seulement 4 ? Oui. Et c'est parce que je suis bien trop... faible. Magnanime. Salut, Ulrich ! Eh ben alors, t'es tout seul ? Yumi n'est pas avec toi ? Oh mais non, bien sûr, je viens de la voir avec William, ce que je suis bête parfois. Le parfois être trop. C'est pas pour dire, mais il pèse une tonne ton truc. C'est pas mon truc, Ulrich, il appartient à ma famille depuis des siècles. Et tu vas leur montrer quand ton bidule ? À la fin de l'exposé, crois-moi, ça va être le clou du spectacle, la grande attraction. Si avec ça j'ai pas une super note. En tout cas, c'est pas chez moi qu'il y aurait une chose pareille. Sérieux, il irait pas du tout avec les rideaux du salon, ton machin. Machin, truc, bidule, chose. Tu vois ce que j'aime chez toi, c'est la richesse de ton vocabulaire. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On se croirait dans Exécuteur 2. Tout ça, ça sent comme les godasses de Odd. Y a pas que ça qui m'inquiète. On a plus de contact avec Jérémy. Allez, on en veut. Fallait laisser ton troupeau de boutons au vestiaire, ça t'alourdit, Hervé. C'est ça, rigole, Della Robbia. Je vais te...